Je cède maintenant la parole à Mme la députée de Taschereau pour sa déclaration d'aujourd'hui. Mme la députée de Taschereau, à vous la parole. Le 31 mars dernier, j'ai eu le privilège d'être l'hôte de la 5e édition de l'Hommage aux bénévoles de Taschereau. Devant plus de 200 personnes, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai honoré 66 bénévoles de ma circonscription, des hommes, des femmes qui sont engagés depuis parfois 17, 20, voire même 38 ans dans la même organisation. De plus, j'ai remis 3 médailles de l'Assemblée nationale à des personnalités hors du commun, qui ont œuvré de façon exceptionnelle, non seulement dans leur organisme, mais également dans d'autres domaines. Il y a Louise Allaire, directrice artistique du Théâtre Les Gros-Becs, Mme Jeanne Lalanne, directrice de l'organisme Action Chômage, et l'abbé Bruno Verrette, prêtre fondateur de la Bouchée généreuse. À celui-ci, qui est présent dans nos tribunes, avec des membres de sa famille, j'ai un mot spécial, Monsieur l'abbé, mes plus profonds hommages et mes remerciements pour l'immense leçon de bonté, d'abnégation et de dignité que vous donnez à tous les jours. Alors à vous, Abbé Verrette, comme à tous les bénévoles, félicitations et merci. Merci, Madame la députée.